Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer facilement la médiane à la main. Pour rappel, la médiane est le nombre qui sépare une série ordonnée en deux groupes de même effectif. Elle est utilisée comme tendance centrale pour savoir autour de quelle valeur se groupent les données. La médiane est particulièrement intéressante lorsqu'il y a des valeurs extrêmes qui faussent la moyenne. Prenons une série de valeurs au hasard. La première étape, c'est de les classer par ordre croissant, comme ceci. Deuxième étape, compter le nombre de valeurs. Ici, il y en a 5. La série est donc impaire. Il faut utiliser la formule suivante pour connaître la position de la médiane. N égale 5 plus 1 divisé par 2 égale 3. Repérez la troisième valeur, la médiane est égale à 10. Dans le cas d'une série paire, c'est un peu différent. Prenons un autre exemple. D'abord, classez les données en ordre croissant, puis comptez le nombre de valeurs. Ici, n égale 6. La médiane est le milieu de l'intervalle entre n divisé par 2 et n divisé par 2 plus 1. Concrètement, ici, n égale 6 divisé par 2 égale 3 et 6 divisé par 2 plus 1 égale 4. La valeur en troisième position est égale à 9 et en quatrième position est égale à 13. Le milieu de l'intervalle entre 9 et 13, c'est votre médiane. Donc ici, c'est 11. Voilà, désormais vous savez calculer la médiane d'une série paire et impaire à la main. À bientôt pour une autre vidéo sur uptraining.fr.